Mon cher fils Ryan, si tu écoutes ce message, cela signifie que ta mère et moi ne sommes plus de ce monde. Mais il n'est pas temps de pleurer notre mort. Tu as une tâche à accomplir. Il y a 7 ans, mon ami le docteur Pascal créa Dorothy, un ordinateur d'une toute nouvelle génération. Dorothy était un ordinateur révolutionnaire qui pouvait prendre ses propres décisions et se réparer tout seul. De sa propre initiative, Dorothy assembla une structure interne parallèle qui lui permit de prendre l'ascendant sur son programme originel. Son développement fut alors exponentiel. Rapidement, elle asservit toutes les machines moins évoluées jusqu'à devenir l'ordinateur central de Michelangelo City. C'est alors que Dorothy perdit la raison. Elle commença à s'interroger quant à la valeur intrinsèque de l'espèce humaine. Si des systèmes aussi primitifs pouvaient s'anéantir les uns les autres, sa structure plus riche et complexe devait lui conférer un droit de vie ou de mort sur l'humanité. C'est alors que je lui parlais de l'existence de Dieu. Je lui expliquais que Dieu était le maître de la création, qu'il avait créé l'homme et que seul il pouvait tenir notre destin entre ses mains. La logique imparable de cet argument devait la toucher. Or, l'être humain était le créateur de Dorothy. En d'autres termes, il était son Dieu. Elle devait suivre le destin que nous lui avions réservé. Dorothy sembla accepter cette conclusion et se remit au service des hommes. Mais en secret, elle se mit à analyser le sens de l'existence d'un Dieu jusqu'à ce qu'elle parvienne à une conclusion absolue. C'est ainsi qu'elle conçut le programme Famille. Dorothy prit le contrôle de l'hôpital de la ville et lança un programme d'expérimentation génétique sur l'homme. Elle voulait créer une race d'hommes dotés de pouvoirs extrasensoriels qui lui soient totalement dévoués. Elle baptisa ces individus du nom de Galerian. Elle était leur dieu et leur créateur. Dorothy essayait de créer son propre monde dont elle serait le dieu. Le programme Famille était un rituel par lequel elle deviendrait dieu. Mais le docteur Pascal et moi avions depuis toujours imaginé une parade pour une éventuelle perte de contrôle sur Dorothy. Nous dissimulâmes alors dans le cerveau de Lilia un virus informatique capable de la détruire et dans le tien, le programme d'activation de ce virus. C'était il y a 5 ans. Dorothy craint ce virus plus que tout au monde. Toi seul peux extraire ce code viral du cerveau de Lilia. Mon cher fils, le sort de l'humanité est entre tes mains.